Donc, bienvenue tout le monde à la pratique ce matin. Aujourd'hui, encore une fois, une pratique qui, c'est samedi matin, juste une petite pratique pour venir réveiller le corps, se préparer pour la journée qui s'en vient, le week-end qui s'en vient. Donc, je vous souhaite une excellente pratique. On va commencer aujourd'hui sur le dos et on va venir connecter la plante des pieds ensemble. Donc, très simplement, on s'étend au sol, les plantes des pieds viennent se connecter ensemble et on peut laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté. Je peux avoir les bras de chaque côté du corps, si c'est plus confortable pour moi. Sinon, je pourrais avoir une main sur l'abdomen, une main sur le cœur. Là, ici, on prend une profonde expiration. Et inspire délicatement, remplis tout le corps du bassin jusqu'aux épaules. Crée de l'expansion à l'expire, calme le corps, laisse aller tout au sol. À nouveau, inspire avec profondeur. Et à l'expire, à nouveau, laisse fondre le corps au sol. À nouveau, profond inspire. Expire, un petit soupir. Good. Ici, on laisse notre attention déposée dans la respiration. Et on va venir développer notre respiration Samavriti. Donc, la respiration Samavriti veut dire de même durée ou de même intensité. Donc, il y a trois niveaux de profondeur à la respiration. Le premier ici, commencez à inspirer à partir du bassin. Remplissez le bassin en premier. Faites gonfler ensuite l'abdomen, la cage thoracique. Créez un élargissement au niveau des épaules. Et à l'expire, videz à partir du bassin vers les épaules, vers les narines. Juste s'établir ici, dans cette profondeur-là. Dans un deuxième niveau à notre respiration Samavriti, on cherche à avoir un inspire et expire de même durée. Donc, si j'inspire, par exemple, sur 3 secondes, je voudrais essayer d'expirer sur 3 secondes également. Ici, on trouve une vitesse qui nous semble adéquate ce matin. Respiration qui nous nourrit sans créer de tension. Dans un troisième niveau pour notre respiration Samavriti, on cherche à égaliser le débit d'air qui circule. Et donc, souvent, au début d'un inspire, notre débit d'air est beaucoup plus important qu'à la fin de l'inspire. Et la même chose souvent dans l'expire. On expire souvent plus d'air au début de notre expire que vers la fin. Ici, on cherche à égaliser notre débit d'air, avoir exactement le même débit du tout début de l'inspire jusqu'à sa toute fin. Et la même chose dans l'expire. Une technique qu'on peut utiliser pour y arriver des fois un petit peu plus facilement s'appelle Ujjayi, qui est de créer un petit serrement dans la gorge, juste pour limiter un peu plus le flot d'air et créer un flot d'air qui est un petit peu plus constant. Et encore une fois, on cherche à ce que notre respiration ne devienne pas
un défi ou devienne une source de tension pour soi. Et donc, la profondeur, l'égalité entre la durée et le débit sont très doux, très apaisants pour soi ce matin, mais en même temps très énergisants. Encore quelques reprises encore. Cette respiration-là, Samavriti, on cherche à la garder tout au long de la pratique ce matin. Et donc, cette respiration-là peut nous servir de point d'ancrage pour notre attention. On peut se rendre compte des moments où la respiration Samavriti n'est plus en cours, reflétant un peu notre état intérieur du moment peut-être. Donc, si la respiration est comprimée, et donc des fois, on va se retrouver dans ce même état-là de compression, de tension dans les postures. Et juste le fait de ramener consciemment Samavriti peut permettre d'aller chercher ce même état d'équilibre-là dans les postures, autant énergisant qu'apaisant. Good. Tranquillement ici, peut-être avec l'aide des mains ou tout simplement avec les jambes elles-mêmes. On peut refermer les deux genoux ensemble. Peut-être prendre un petit moment ici pour se serrer contre soi-même en petite boule. Basculer gauche, droite. Peut-être faire des cercles avec le sacrum au sol pour venir masser le sacrum au sol. Good. Et ici, on vient déposer les deux plantes des pieds au sol. Pieds à peu près largeur des hanches. Et de là, la cheville droite s'en vient, juste en dessous du genou gauche. D'ici, cheville droite légèrement active, les orteils sont un petit peu tirés vers mon genou droit, juste pour garder l'activité dans l'ensemble de ma jambe droite. Une activité qui est légère, mais tout de même présente. Et de là, le genou gauche s'en vient vers l'épaule gauche. Éventuellement, je vais peut-être pouvoir entrelacer les doigts derrière la cuisse gauche, peut-être même devant le tibia gauche. Ce qu'on cherche à conserver ici, c'est une colonne qui est très longue au sol. Donc, si le fait d'aller agripper, par exemple, au niveau du tibia, crée un soulèvement du haut du dos ou un soulèvement du bassin, il vaudrait mieux agripper derrière la cuisse à ce moment-là. L'inspire ici nous aide à gonfler le bassin. Aller chercher de l'espace dans la fesse et dans la cuisse droite. Aller chercher de la longueur dans la colonne au sol, la colonne qui s'étend au sol, s'allonge au sol. Et à l'expire, peut-être que le genou gauche se rapproche un peu plus de notre épaule gauche. Et le corps se relaxe un petit peu plus au sol. La colonne s'écrase au sol à l'expire.
Expérimente la posture dans son ensemble, la respiration qui circule à l'intérieur. Donc, mets ici des pauses, le pied gauche au sol, en gardant la cheville droite à son endroit d'origine, ici. De là, on peut ouvrir les bras de chaque côté, soit paume vers le sol ou paume vers le plafond. Pousse le pied gauche dans le sol, soulève le bassin et décale-le un petit peu sur ton côté droit. Et de là, rentre en twist, viens déposer la plante du pied droit au sol. Le regard, si c'est disponible, peut aller à l'opposé des jambes. Si la respiration Samavriti circule partout le long de la colonne, nous aide à créer de l'espace entre chacune des vertèbres, de la longueur. L'expire nous aide à rentrer un petit peu plus profondément dans la rotation. Tranquillement ici, ramène le regard au neutre. On ramène les deux plantes des pieds connectées au sol, recentre le bassin, la colonne et les omoplates ensemble. Ici maintenant, c'est la cheville gauche qui s'en vient juste en dessous du genou droit. Cheville gauche légèrement fléchie pour garder de l'activité, une légère activité dans l'ensemble de notre jambe gauche. Et de là, le genou droit qui s'en vient vers l'épaule droite jusqu'à ce que je puisse entrelacer soit les doigts derrière la cuisse ou peut-être même devant le tibia, si ça me permet toujours de garder la colonne longue au sol. En continuant de respirer profondément, on est capable d'aller chercher un peu plus d'espace juste par la respiration, spécialement dans la cuisse et dans la fesse gauche. Chaque inspire également la colonne qui s'allonge au sol. Et à chaque expire, la colonne qui s'écrase un peu plus au sol. Expérimente la posture dans son ensemble. Toutes les sensations, la respiration. Et tranquillement ici, redépose le pied droit au sol en gardant la cheville gauche sur la cuisse droite. On étend les bras de chaque côté. Soulève et décale le bassin sur ta gauche un petit peu et rentre en rotation ici. Va déposer la plante du pied gauche au sol. Si le coup le permet, le regard peut aller à l'opposé des jambes vers la gauche. L'inspire ici nous permet encore une fois de créer de l'espace entre les vertèbres. Et l'expire nous permet de rentrer un petit peu plus profondément dans la rotation.
Et tranquillement, on revient au neutre. On pose les deux plantes des pieds au sol. Recentre le bassin, la colonne et les omoplates ensemble. D'ici, allonge la jambe droite vers le plafond. Une fois ici, à l'aide des abdominaux, on va tirer les mains vers le pied droit. Maintiens ici. Puis à l'expire, le pied droit s'en vient à 1 cm du sol. Et à l'inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Puis, redépose toute la colonne au sol et le pied droit au sol. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui s'allonge. Et à nouveau, on tire les mains vers le pied gauche. On garde le haut du corps ici, les bras ici. Et à l'expire, jambe gauche descend 1 cm du sol. Inspire, revient. Expire, descend. Inspire, revient. Expire, descend. Inspire, revient. Puis, redépose tout au sol. Good. D'ici, on croise les chevilles ensemble. On se donne un petit élan pour rouler vers l'avant et trouver la posture de la table. Donc, dans la posture de la table, les poignets alignés avec les épaules, les doigts écartés de façon confortable, les genoux à peu près largeur des hanches, les orteils alignés avec les genoux, si c'est disponible. Et d'ici, à l'inspire dans la posture de la vache, on retrousse les fessiers vers le plafond, la colonne cambre. On crée une ouverture, une longueur du pubis jusqu'au menton. Les mains soutiennent la poitrine. Et à l'expire, les ischions vont pointer vers le sol. La colonne s'arrondit et le regard s'en vient jusque vers le nombril si c'est disponible. Les mains pressent dans le sol pour créer de l'espace entre les deux omoplates. Et ici, en suivant le rythme de sa propre respiration, à l'inspire, on ouvre l'avant du corps dans la posture de la vache et à l'expire, on ouvre l'arrière du corps dans la posture du chat. Vas-y en pleine conscience, annexe le mouvement, le souffle ensemble. Tu peux même suivre la qualité dans le mouvement, de la stabilité dans le mouvement, comme aucune accélération dans le mouvement, juste un mouvement qui est très linéaire, comme la respiration. Et à la prochaine inspiration, on revient au neutre dans la posture de la table. D'ici, le talon droit va aller kicker dans un mur imaginaire derrière. Good. D'ici, à l'expire, le genou s'en vient vers le front. Inspire, allonge. Expire, revient. Inspire, allonge. Expire, revient. Je peux garder cette variation-là ici, ou sinon je pourrais aller un petit peu plus loin en cambrant
la colonne et en pointant les orteils vers le plafond. Et à l'expire, reviens à nouveau vers le plafond. Vers le genou vers le front. Ici, on peut y aller plus en lenteur. On pourrait aussi décider d'y aller beaucoup plus dynamique. Créer un peu plus de chaleur, un peu plus de mouvement. Et ici, à la prochaine inspiration, on réallonge la jambe vers l'arrière. Et de là, viens déposer le pied droit sur ton côté droit, à la hauteur du bassin. Et de là, redresse la colonne. D'ici, flexion latérale au-dessus de notre jambe droite. Donc, on fléchit, on allonge notre colonne au-dessus de la jambe droite. À l'inspiration, à créer de la longueur vers la droite. Et continue de sentir que tu soutiens la poitrine, que tu ne te laisses pas tomber vers la jambe droite. Il y a encore un petit lift, comme le côté gauche du corps qui est un peu attiré vers le plafond. Et tranquillement, reviens. Ramène le genou droit en dessous de la hanche droite. Les deux mains viennent en support dans le bas du dos. Et là, ici, active le cœur vers le plafond dans la posture du chameau. Les fessiers s'engagent un petit peu pour garder le pubis légèrement poussé vers l'avant. Et d'ici, redresse la colonne et viens t'asseoir vers les talons. Pour ensuite rentrer dans la posture de l'enfant, les bras de chaque côté du corps. Respire contre les cuisses pour créer de l'ouverture dans le bas du dos. Et fais monter cette expansion-là jusque dans la nuque. À l'expire, laisse fondre le corps. Et tranquillement d'ici, on retourne vers la posture de la table. Si vous sentez les poignets un petit peu raides ce matin, il n'y a aucun problème à avancer un peu plus les poignets par rapport à nos épaules. Et d'ici, le pied gauche va maintenant aller presser dans un mur imaginaire derrière. Et à l'expire, genou vers le front. À l'inspire, on allonge. Expire, ramène. Et là, ici, on pourrait décider de rajouter la variation où ce qu'on cambre la colonne et on pointe les orteils vers le plafond. Et on expire, genou qui revient vers le front. Et la prochaine fois que le genou revient vers le front, l'inspire d'après, on pousse notre pied dans le mur imaginaire derrière. Et de là, on vient déployer son pied gauche sur le côté gauche, redresse la colonne et d'ici, rentre en flexion latérale au-dessus de la jambe gauche.
Crée cette longueur-là, cette expansion-là. Sens le côté droit du corps toujours légèrement attiré vers le plafond. Et tranquillement, redresse la colonne à nouveau. Viens porter le genou gauche en dessous de la hanche gauche. Main en support dans le bas du dos. Et de là, le cœur se lift vers le plafond. Ustrasana, posture du chameau. De là, redresse la colonne à nouveau. Viens t'asseoir vers les talons pour ensuite revenir dans la posture de l'enfant à côté sur les cuisses. Respire à nouveau contre les cuisses pour créer de l'expansion dans le bas du dos. Observe que la respiration, sa maturité est toujours en cours avec ses trois qualités, profondeur, stabilité et égalité dans la durée. Good. Et tranquillement ici, on fait notre chemin vers le chien tête baissée. Premier chien tête baissée de la pratique. Comme à l'habitude, on sent peut-être le besoin de bouger intuitivement dans la posture. Peut-être pas non plus. Peut-être qu'on sent le besoin d'être très stable dans la posture. Éventuellement, stabilise la posture. Et d'ici à trois reprises, déroule la colonne jusque dans une planche. Et une fois dans la planche, soit tu restes ici ou soit tu décides d'aller vers le chien tête levée. À l'expire, repousse vers le chien tête baissée. Deuxième fois, déroule. Soit jusqu'à la planche ou jusqu'au chien tête levé. Dans le chien tête levé, les bras et les jambes sont forts. À l'expire, repousse. Et dernière fois, déroule. En lenteur. Jusqu'à la planche ou chien tête levé. Puis à l'expire, reviens. Chien tête baissé. D'ici. Regarde les mains devant et marche le pied droit à l'extérieur de la main droite avec un petit angle de 45 degrés. Même chose avec le pied gauche. Et d'ici, squatte vers le sol pour la prière indienne Malasana. Sens le poids bien réparti sous les deux pieds. Donc, si ce n'est pas le cas, si tu sens que l'intérieur des pieds, par exemple, creuse vers le milieu, peut-être trouver un petit peu plus de hauteur avec le bassin, peut-être un peu plus de largeur avec les pieds. Et tranquillement ici, on se relève debout sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se retrouve ici ensemble dans la posture de la montagne. Ça pourrait être un moment pour prendre de l'eau si jamais c'est nécessaire. Dans la posture de la montagne, les pieds sont à peu près largeur des hanches.
poids bien réparti sur les deux pieds. Et les pieds s'enracinent dans le sol, s'activent dans le sol de sorte que je suis capable de grandir d'un centimètre. Les épaules confortablement larges. Paume des mains orientée vers l'avant. À l'inspire ici, dessine un grand cercle avec les mains. Et à l'expire, fléchis vers l'avant, Uttanasana. Plie les genoux un petit peu ici, viens connecter l'abdomen et les cuisses ensemble. Et viens entrelacer les bras derrière les jambes. D'ici, commence à presser les pieds dans le sol pour allonger les jambes. Toujours en essayant de garder contact entre l'abdomen et les cuisses. La colonne est longue, la tête est lourde vers le sol. Cherche en pressant les pieds dans le sol à retrousser un peu les fessiers vers le plafond, de sorte que tu peux créer une colonne plus longue qui se dirige vers le sol. Et tranquillement, redépose les deux mains au sol. À l'inspire, trouve la demi-flexion. Le dessus de la tête s'étire vers l'avant. À l'expire, fléchis. À l'inspire, demi-flexion. Expire, flexion. D'ici, les mains se déposent de chaque côté des pieds. Envoie le pied droit loin derrière. Dépose consciemment le genou droit au sol, dessus du pied droit au sol. Cherche à garder le genou devant, au-dessus de la cheville. Et à l'inspire ici, low lunge. Le bassin descend vers le sol. Le bassin est guidé vers le sol. Donc, une petite résistance musculaire, un accompagnement musculaire avec la descente. Good. D'ici. Dépose les deux mains de chaque côté du pied devant. Transfère dans une planche. De notre planche ici, les genoux se déposent au sol. Les coudes vont rester largeur des épaules, vont aller vers l'arrière. La poitrine se dépose au sol et le menton au sol également. D'ici, glisse complètement à plat ventre. Et en utilisant les muscles du dos, soulève la poitrine en cobra. À l'expire, repousse vers le chien tête baissée. Good. Regarde entre les mains et viens porter le pied droit entre les mains devant. Garde le. S'il se rempente les mains, tu peux l'aider. Mettons qu'il s'arrête dans le milieu du tapis, je peux le prendre avec ma main droite et l'aider à l'amener devant pour avoir le genou déjà au-dessus de la cheville. Et de là, je dépose mon genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol. Et à l'inspire, redresse la colonne, deux mains vers le ciel, low lunge. Une descente dirigée du bassin vers le sol. Respiration Samavriti. Et tranquillement, viens déposer les deux mains au sol, à l'entour du pied devant. Engage la jambe derrière pour ensuite marcher le pied derrière, devant. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion. À l'inspire, on se relève, dessinant un grand cercle avec les mains. Et à nouveau, à l'expire, directement en flexion vers l'avant, Uttanasana. À l'inspire, demi-flexion. Dépose les deux mains de chaque côté des pieds. Envoie cette fois-ci le pied gauche loin derrière.
des poses de genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol. Et à l'inspire ici, deux mains vers le ciel. Good. De là. Viens déposer la main gauche, soit sur la cuisse arrière ou dans le bas du dos. Et de là, lift le cœur vers le plafond. Redresse la colonne. Viens déposer le bras droit à l'intérieur de la cuisse droite et déroule le bras gauche vers l'arrière. Le regard peut suivre dans une petite rotation de la colonne. Et d'ici, vrille les deux mains, on vient déposer à l'entour du pied devant. Transfère dans une planche à nouveau. De notre planche, dépose les genoux. Poitrine entre les mains, menton au sol. Glisse vers l'avant. À l'inspire, cobra. Et à l'expire, repousse. Chien tête baissée. Un inspire par le nez ici. Et par la bouche. À nouveau. Dernière fois, inspire par le nez. Par la bouche. Good. Regarde entre les mains et viens porter le pied gauche entre les mains devant. Assure-toi que le genou est déjà au-dessus de la cheville et dépose le genou droit au sol, dessus du pied droit au sol. À l'inspire, low lunge. Good. D'ici, la main droite vient se déposer sur la cuisse derrière ou dans le bas du dos. Et de là, ouvre le cœur vers le plafond. Ici, redresse la colonne. Viens porter le bras gauche à l'intérieur de la cuisse gauche et déroule le bras droit vers l'arrière. Le regard peut suivre dans une rotation. Et d'ici, viens déposer les deux mains à l'entour du pied devant. Engage la jambe derrière pour ensuite marcher le pied derrière à l'avant. À l'inspire, demi-flexion. Expire, flexion. À l'inspire, on se relève en dessinant un grand cercle avec les mains. Expire, mais en prière au cœur. Retrouve la respiration Samavriti. Relaxe le visage. Grandis d'un centimètre. Et d'ici, à l'expire, on vient s'asseoir dans une chaise imaginaire pour la posture Utkatasana. Continue de respirer calmement. Continue de sentir que la colonne s'allonge, comme si le bassin et le dessus de la tête essayaient de s'éloigner un peu l'un de l'autre. Et de là, à l'expire, fléchis. Inspire, demi-flexion. Dépose les deux mains de chaque côté des pieds. Envoie le pied droit loin derrière. À l'inspire ici, redresse, trouve le high lunge. De notre high lunge ici, dépose à plat le pied derrière pour trouver le guerrier 2. Dans notre guerrier 2 ici, sens la plante des pieds bien connectée au sol, le poids bien égalisé. Une pression uniforme de nos deux pieds dans le sol qui crée une puissance dans les jambes, une ascension dans la colonne. Les bras sont longs, les mains sont comme sur des nuages.
Ici, dans la posture de l'angle de côté, la main gauche s'en va vers le sol, main droite vers le plafond. Ici, redresse la colonne et va jusqu'au guerrier renversé. Puis, reviens vers le guerrier 2. Allonge la jambe gauche ici. Et de là, à partir du bassin, comme si on retroussait le bassin là, un peu vers l'arrière. Donc, on fait glisser la main gauche vers l'avant. Et de là, main gauche vers le sol, main droite vers le plafond. Redresse la colonne ici. Retour vers le guerrier 2. Grande vrille avec les mains. Viens déposer les deux mains au sol. Transfert en planche à nouveau. Et de notre planche, genoux, poitrine, menton se dépose au sol. Glisse vers l'avant. À l'inspire, cobra. À l'expire, repousse. Chien tête baissée. À l'inspire, le pied droit se lève, regarde entre les mains et viens porter le pied droit entre les mains devant. À nouveau, à l'inspire, on se redresse, retrouvant le high lunge. De notre high lunge ici, on dépose vers le guerrier 2. Sans la puissance des pieds dans le sol, cette puissance se remonte dans les jambes, dans la colonne. D'ici, la main droite s'en va vers le sol, main gauche vers le plafond. Posture de l'angle de côté. D'ici, remonte vers le guerrier 2 et va jusqu'au guerrier renversé. Sens toujours la puissance dans les pieds, toujours la respiration Samavriti. Et de là, reviens vers le guerrier 2. Allonge la jambe droite. Et d'ici, à partir du bassin, fais glisser la main droite vers l'avant. Main droite vers le sol, main gauche vers le ciel, puis la posture du triangle étiré. Et attention, ici, on redresse la colonne. Pivote le pied devant pour être parallèle au pied derrière. Donc, les pieds sont soit parallèles, peut-être même un peu les orteils vers l'intérieur. Et en pressant les pieds dans le sol, on crée une rotation interne de nos jambes qui nous aide à retrousser les fessiers vers l'arrière et fléchir vers l'avant. On continue de sentir que les pieds poussent dans le sol, qu'il y a une rotation interne qui se crée, que tes fessiers sont un peu plus retroussés vers le plafond, du moins ils veulent aller retroussés vers le plafond, ce qui t'aide à créer une colonne un peu plus longue qui se dirige vers le sol. En ayant soit les mains au sol ou sur un bloc, à l'inspire, trouve une demi-flexion.
À l'expire, fléchis à nouveau. À l'inspire, demi-flexion. Expire, flexion. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion. Et à l'inspire, demi-flexion, on va rester ici. Viens établir la main gauche, soit au sol ou sur un bloc en dessous du visage. Et de là, rotation de la poitrine vers la droite, soit la main droite vient au niveau de la hanche ou peut se déployer vers le plafond. Le regard peut suivre la main. Tranquillement, ramène la main droite au sol. La main droite prend la place de la main gauche et en pressant la main droite dans le sol, éloigne soit la main gauche vers le plafond ou peut-être dépose-la sur la hanche gauche. Et tranquillement, ramène la main gauche au sol. Et d'ici, fléchis. Viens gripper les coudes opposés, laisse pendre le haut du corps vers le sol. Si jamais ta tête se rend déjà au sol ici et que tu ne peux pas comme laisser pendre, les mains peuvent marcher comme vers l'arrière. Tu peux t'aider à créer un peu plus d'espace, un peu plus d'étirement derrière les jambes. Puis redépose les mains au sol. Retrouve la demi-flexion. Maintenant, on va passer d'ici à la posture de la grenouille. Donc, on va venir déposer les genoux au sol. Le plus large qu'on est capable d'aller chercher. Et je vous suggère d'avoir les genoux assez près de la frontière de votre tapis pour que les chevilles derrière restent sur le tapis, qu'elles ne soient pas à l'extérieur. Donc, les genoux sont aussi larges qu'on peut au sol. Les genoux sont aussi à 90 degrés. Les chevilles 90 degrés aussi. Les pieds sont à côté comme dans un mur imaginaire. On essaie d'avoir le bassin et les genoux alignés ensemble. Donc, pas le bassin nécessairement plus vers l'arrière ou vers l'avant. En point central. Et d'ici, soit on reste sur les mains, si c'est bien assez pour soi, sinon on peut déposer les avant-bras au sol. Donc, l'idée un jour, là, ce serait d'avoir le pubis au sol. Donc, que ce soit dans cette vie-là ou un autre. Et on respire. Samavriti, toujours en cours. Si on a réussi à créer un peu plus d'espace, peut-être qu'on peut élargir les deux genoux. Et tranquillement, on remonte sur les mains. Peut-être avec l'aide des mains, on pousse pour s'aider à ramener les genoux plus près l'un de l'autre. Et d'ici, on vient asseoir le bassin au sol. Donc ici, on va croiser la jambe gauche en dessous de soi pour avoir le talon gauche juste à côté de la fesse droite. Et d'ici, on va croiser la jambe droite par-dessus la gauche. On trouve un petit peu d'activité dans les chevilles, donc au lieu de les laisser passive et molle, on veut les activer un petit peu. Et d'ici, on veut trouver notre colonne un peu plus longue.
De là. À l'inspire, grand cercle avec les mains. À l'expire, rotation vers la droite. Chaque inspire m'aide à créer de la longueur dans la colonne. Chaque expire m'aide à créer une rotation peut-être un petit peu plus profonde. Tranquillement, ramène la poitrine vers l'avant. Et d'ici, on va marcher les mains vers l'avant. Et là, ce qu'on cherche à faire, c'est encore notre éloignement entre le dessus de la tête et le bassin. Donc, imaginez comme si vous étiez assis sur une serviette et que je tirais la serviette derrière. Donc, votre bassin glisserait, retrousserait vers l'arrière. Et moi, en même temps, j'active le dessus de ma tête vers l'avant. Mes chevilles, toujours en activité. Good. Tranquillement ici. Redresse la colonne. De là, viens déposer les deux mains sur le côté gauche. On va presser les mains, les pieds dans le sol. Le bassin va se soulever. On va faire un 360 degrés en gardant les pieds exactement au même endroit pour arriver miraculeusement dans la posture inverse. Je suis sûr qu'on a un taux de succès très élevé à la maison. Mais si jamais ce n'est pas le cas, la jambe droite est croisée en dessous, le talon droit est juste à côté de la fesse gauche et la jambe gauche est croisée par-dessus la droite. Les chevilles, on ne les laisse pas trop passives, on les active un petit peu. Et de là, ma colonne peut plus facilement s'allonger vers le plafond. De là, à l'inspire, dessine un grand cercle avec les mains. Et à l'expire, rotation vers la gauche. À chaque inspire, la colonne peut s'allonger, créer de l'espace, délier les vertèbres un petit peu. Et à l'expire, peut-être que ma rotation peut aller un petit peu plus loin. Et tranquillement, ramène la poitrine vers l'avant. D'ici, on vient déposer nos deux mains vers l'avant. Encore une fois, les chevilles sont légèrement actives. Et là, je retrousse les fessiers vers l'arrière et le dessus de la tête, lui, veut s'éloigner vers l'avant. La respiration m'aide à créer de l'espace dans le bassin pour qu'à l'expire, je puisse peut-être aller un petit peu plus loin ou trouver plus de confort, plus d'ouverture. Et tranquillement ici, redresse la colonne. On peut délier les deux jambes et délicatement, se rouler au sol.
d'ici. Les bras peuvent s'ouvrir de chaque côté. Décale le bassin sur ton côté droit. Colle les jambes ensemble ou peut-être même croise la jambe droite par-dessus la gauche et laisse aller les jambes vers le sol à gauche. Le regard peut aller à l'opposé des jambes. Et là, on laisse le corps devenir passif ici. En relâchant le corps, vous allez peut-être voir que le corps va se placer plus naturellement. On peut le laisser faire. La seule chose qu'on garde un peu plus active ici, c'est la respiration. La même respiration, Samavriti. Tranquillement, ramène les jambes au neutre. Tu peux délier les deux jambes, recentrer le bassin, la colonne, les omoplates. Pour ensuite décaler le bassin sur son côté gauche. Soit on colle les jambes ensemble ou soit je croise la jambe gauche par-dessus la droite. Là, je laisse aller les jambes vers le sol à droite. Le regard à l'opposé des jambes si mon cou le permet ce matin. Laisse le corps devenir passif. Ça se peut qu'il se replace par lui-même. Garde la respiration consciente. Tranquillement, ramène les jambes au neutre. Vous pouvez les décroiser. Recentrer le bassin, la colonne, les omoplates ensemble. Peut-être prendre un moment pour se serrer contre soi-même ou faire n'importe quelle posture qui nous semblerait nécessaire ici. Puis, quand c'est le bon moment, on peut se déposer dans Shavasana, les jambes allongées au sol, les pieds à peu près à la largeur du tapis, les bras légèrement ouverts de chaque côté et les paumes vers le plafond. Et dans Shavasana ici, à trois reprises, vraiment on se rejoint à l'expire. Inspire, remplis complètement. Et crispe le corps, ferme les poings, allonge les orteils, crispe le corps, crispe le visage. Puis expire, relâche tout. À nouveau, inspire. Et crispe le corps. Puis lourdement, à l'expire, laisse aller le corps au sol. Dernière fois, inspire. Engage le corps. Expire.
Laisse le corps devenir passif. Et laisse aussi la respiration devenir passive. Prends un moment ici pour ressentir les jambes dans leur ensemble. Sans toutes les subtilités des jambes, l'impact de la pratique sur les jambes. Puis pour les quelques prochaines respirations, permet à l'inspire d'aller créer de l'espace, d'aller énergiser les jambes. Et à l'expire, laisse les jambes fondre un peu plus vers le sol, comme si on enlevait une couche de résistance à chaque expire. Et plus on relâche les jambes, plus c'est facile pour l'inspire d'aller circuler dans les jambes. Plus c'est facile d'aller pour l'inspire d'aller circuler dans les jambes. Plus on crée de l'espace à des endroits beaucoup plus subtils que l'on est capable de relâcher à l'expire. Ressens maintenant les bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Toute la subtilité des bras, leur puissance. Et encore une fois, d'inspire en inspire, on envoie jusqu'au bout des doigts, on va créer un peu d'espace dans les bras. Et d'expire en expire, on laisse les bras fondre un peu plus vers le corps, vers le sol, comme si on enlevait une couche de résistance à chaque expire. Et cette danse-là entre l'inspire et l'expire permet toujours d'aller un peu plus loin. Un expire profond qui laisse fondre les bras permet à l'inspire d'après d'aller un petit peu plus profondément dans les bras, qui lui-même permet à l'expire d'après de relâcher un petit peu plus profondément, et ainsi de suite.
Transporte maintenant ton attention dans le centre du corps, incluant le bassin jusqu'aux épaules, l'abdomen, toute la cage thoracique, toute la colonne, ou presque. Et ressent cet endroit-là dans son ensemble. Toute la subtilité, tous les petits mouvements, les flots, toute l'activité du centre du corps. Puis encore une fois, en suivant le rythme de la respiration, on se permet à l'inspire de rentrer en contact un petit peu plus profondément avec le centre du corps, d'aller créer un peu plus d'espace, pour qu'à l'expire, on puisse relâcher un peu plus, faire fondre le centre du corps vers le sol un peu plus profondément. Puis on peut maintenant ressentir tout le cou jusqu'au-dessus de la tête, le visage, le cerveau. Et encore une fois, d'inspire en inspire, on crée de l'espace et d'expire en expire. On relâche un peu plus profondément tout le cou, la tête et le cerveau. Puis transporte ton attention dans l'ensemble du corps maintenant. En utilisant la même approche, à chaque inspire, l'énergie de l'inspire qui se rend partout dans le corps, dans chacune des cellules, et à chaque expire, le corps qui, au complet, fond un peu plus vers le sol.
Et tranquillement, sans brusquer le corps, sans le crisper, commence à délicatement le bouger, en amenant des mouvements subtils, prenant le temps qui est nécessaire pour réveiller le corps. Et quand on sent que c'est le bon moment, sans presse, on peut se retourner sur le côté de son choix dans la posture du fœtus, y rester encore une fois le temps qui est nécessaire avant de revenir en posture assise. En posture assise, on peut joindre les mains en prière au cœur. Juste avoir un moment de gratitude envers soi-même pour être venu à la pratique ce matin. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et merci encore une fois d'être venu pratiquer ce matin. Namasté.